Alors, y avait les bonhommes qui galopaient et tout. Le chat, il y en a qui se tracassaient pas pour ça, comme la belle-sœur. Elle a toujours dit des meufs. Un homme, il galope après les femmes, mais je le connais bien. Il est comme les chiens après les autos. Il n'a qu'au jamais attrapé un. Ah, puis il y avait les femmes qui galopaient et tout. Et vous garantis que le grand Fallu, quand il a chopé sa femme avec le facteur, il gelait pas. Mais arrête de geler comme chacun et dire God plutôt comment qu'il fait. Oh. Une femme pourtant. Propre et tout, vous auriez vu la maison nickelée. Hein. Ah oui, grand Fallu, il disait toujours, il dit, vous pouvez venir à la maison, pas une poussière, pas un mouton sous le lit. Non, sous le lit, pas de mouton, mais un coup, il a trouvé le bercher. Mettre au travail, mettre au travail. Tant et si bien que figurez-vous que quand ils ont eu le premier petit, le petit, il était noir. Un petit noir, oui. Comme il était brun malin, et le grand Fallu, sa femme, elle avait réussi à l'embobiner. Il avait dit, oui, ben, je vais t'expliquer, c'est pas difficile, tu vas comprendre. Mais tu... Je bais toujours du café. Toute petite déjà, j'ai été élevée au café. Alors forcément, à boire du café comme ça, est normal qu'elle pétille et prenne la couleur. Il n'avait pas là sa mère. Ah bah oui, bah ça m'est. Oui, je comprends. Mais je vais te speecher toute autre chose, mon gars, vois-tu. Bon, ta femme. Elle a bu trop de café, elle a été élevée au café, t'as vu le résultat? À ce t'as un petit noir. Mais t'es, je t'ai toujours élevé au lait de vache, résultat à ce t'as des cornes.